Le 9 janvier 2019, Jeff Bezos et Mackenzie Tuttle divorçaient après 25 ans de vie commune. Nous voulons faire connaître aux gens un développement dans nos vies, nous avons décidé de divorcer et de poursuivre nos vies comme amis, annonçait sur Twitter le patron d'Amazon, qui célèbre ce vendredi 12 janvier 2024 son 60e anniversaire. Un des divorces les plus coûteux du monde People puisque son ex-femme avait alors reçu 25% des parts d'Amazon, soit 38,3 milliards de dollars. Fin février 2020, c'est au bras d'une autre femme que le célèbre homme d'affaires et milliardaire est allé à la rencontre d'Emmanuel Macron pour évoquer le climat, une certaine Lorraine Sanchez. Au moment de sa rencontre avec le père du géant du commerce en ligne, Lorraine Sanchez, présentatrice de l'émission California Good Day là sur la chaîne Fox, était mariée à Patrick Weitzel, un agent hollywoodien. La jolie brune âgée de 54 ans semble d'ailleurs cultiver la même ambition que Jeff Bezos. Comme l'a rapporté Vanity Fair, c'est avec persévérance et passion, selon ses proches, qu'elle a ainsi décidé de se faire une place dans l'impitoyable monde de la télévision. Résultat, Lorraine Sanchez a pris les rênes d'émissions populaires outre-Atlantique telles que Larry King Live, The Joy Behar Show ou encore Showbiz Tonight. Un CV remarquable qui lui a d'ailleurs valu l'obtention d'un Emmy en 2009. Supérieur à supérieur à photo, Jeff et Mackenzie Bezos, Rupert et Anna Murdoch, Mel et Robin Gibson, Madonna et Guy Ritchie. Ces divorces de stars qui coûtent cher Jeff Bezos et Lorraine Sanchez en route vers le mariage. Si le couple formé par Jeff Bezos et Lorraine Sanchez a essuyé quelques scandales, à l'image de photos intimes qui auraient valu au milliardaire d'être la cible de chantage, il a désormais le regard tourné vers l'avenir. En mai dernier, le patron d'Amazon a ainsi demandé la main de sa belle alors qu'ils étaient en vacances dans le sud de la France. Et celui qui est devenu en 2017 l'homme le plus riche du monde n'a pas fait les choses à moitié en offrant à sa compagne une bague de fiançailles estimée à 2,5 millions de dollars, sertie d'un diamant blanc d'un poids que les experts ont évalué à 20 carats, comme l'a rapporté 20 minutes. En attendant de passer devant l'hôtel, les tourtereaux profitent donc de leur jolie famille recomposée, Jeff Bezos étant père de 4 enfants et sa moitié est maman de 3 enfants, Nico. Né en 2001 et fruit de sa relation avec l'ancien joueur de football américain Tony Gonzalez, Evan, né en 2006, et Ella, né en 2008, venue au monde lors de son union avec Patrick Weitzel. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence. Just need